Bonjour et bienvenue au Centre social de Stenay. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un serpent articulé. Pour faire cette activité, vous aurez besoin de 6 rouleaux de papier toilette minimum, d'attache parisienne, de ciseaux, de peinture, ici de la gouache, de pinceau, d'une perforatrice ou de ciseaux à ongles si vous n'en avez pas sous la main, d'un morceau de papier, d'un crayon de papier, d'une règle, d'une agrafeuse et de façon facultative, des yeux mobiles. Pour commencer, peindre les rouleaux de papier toilette. Vous pouvez vous amuser à peindre des formes dessus ou à décorer plus tard avec des gommettes. Pendant que les rouleaux sèchent, prenez le morceau de papier, pliez-le en deux. À l'aide d'une règle, faites un repère à 2,5 cm au niveau de la base. Puis faire de même avec le côté de la pliure, mais à 3 cm. Reliez les points et découpez. Ce triangle va vous servir de gabarit. Placez le gabarit triangle sur une extrémité d'un rouleau peint. Marquez sur le rouleau les trois sommets du triangle. Découpez. Faire la même découpe symétriquement et à l'autre extrémité. Découpez ainsi tous les rouleaux. Perforez les quatre pointes des rouleaux qui formeront le corps et la queue du serpent, pas celui de la tête. Si vous n'avez pas de perforatrice sous la main, prenez des ciseaux à ongles pour percer. Vous pouvez continuer de décorer les rouleaux avec des feutres, des gommettes. Pour réaliser la tête, perforez deux pointes d'une seule extrémité du rouleau. Découpez la langue du serpent dans du papier cartonné rouge ou dans l'une des chutes des rouleaux de papier toilette. Au niveau de la partie non percée, vous pourrez soit agrafer, soit coller la langue du serpent. Pour les yeux, vous avez le choix. Soit vous dessinez les yeux et vous les collez, soit vous choisissez des yeux mobiles adhésifs. Placez les rouleaux de papier toilette comme vous le souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à assembler les différents éléments avec des attaches parisiennes. Vous pouvez terminer la queue du serpent avec un ruban ou en fermant avec une attache parisienne pour relier les deux parties. Et voilà, vous avez un super serpent articulé pour vous amuser. J'espère que cette activité vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle activité. À bientôt!